Ok, je peux régénérer. En vrai, je m'attraque le sort et dès que je peux appuyer sur 4, j'appuie sur 4 quoi. Approcher les arbres cosmiques après. Les orbes cosmiques. Ces trucs là? Non. Les orbes cosmiques. Ouais. Les orbes cosmiques, bien sûr. Je vois très bien ce que c'est. Cosmique, c'est bien ça. Ah oh, putain, d'accord, j'en ai une en main. Oh les dégâts. Oh les dégâts. Oh, j'ai pas vu les dégâts. Oh l'enfer. Wow. On va se calmer, hein. Qu'on allait se calmer. Oh mais oh. Ça loot pas bien sûr, sinon ce serait pas drôle. Merde. C'est bon, j'en ai une. Ah, le crelou, quoi. Thank you.
la vache. Ah ouais, ils me l'ont démoli, quoi. Eh oh! On va se calmer. Ouais, c'est quoi ces dégâts là, Roméo? Il le faut ici. Je dois d'abord choisir ici. Je n'ai pas de cible. Mais qu'est-ce que c'est que des dégâts, moi? Bah, elle est plus qu'une arme. Il me faut une cible. Vers le vide. Ok. Le réceptacle arraché du danger, cet automa est une inébranlable auxiliaire. Son énergie est la clé de mon retour. Elle se nomme Pocopoc, un nom qui lui reviendra. Mon nom sera un nouveau mien. Oracle parmi les derniers, guide des sauveurs de Zeras Mortis, apportez Pocopoc, elle a rempli son rôle de substitut le temps de mon éveil est arrivé. Apporter Pocopoc à machin. Oui, et un merci, ça t'arracherait le cul? Nous ferons tout pour vous aider. Je vous en donne la parole. Oracle mes couilles, quand on est poli, on dit merci. Une incarnation du jugement attend. La fractale manquante doit être remplacée. La géométrie réhabilitée. Une incarnation du jugement. Vous voulez dire l'arbitre? Mais comment? Tout ce qui est éternel fut forgé en Zeres Mortis. L'archonte, le prima, la reine de l'hiver, le maître, l'arbitre. Le maître? Le réceptacle remplacera ce qui fut perdu. Mais il faut le remplir. Des préparatifs s'imposent. Patience, persévérance. À l'heure venue, mon chant résonnera. Et c'est tout? Bon. J'attends toujours mon merci, hein, mais bon. Sans entrave, je sais pas quoi dire. Je ne m'attendais pas à ça. Elle a mentionné des préparatifs ainsi qu'un nouvel arbitre. Nous devons en informer nos amis au refuge. Rendez-vous au refuge et apportez la nouvelle de Zeasura. Que Zeasura cherche un nouvel arbitre. Okay. De pouvoir vous aider. Bon. Bah, let's go, hein.
nous dressons ensemble contre les ténèbres. Il y a beaucoup à faire. L'avènement d'un nouvel arbitre est synonyme d'espoir pour mon côté. Tenez-moi informé, je vous prie. Sans entrave, Pelagos est venu me faire son rapport. L'oracle a terminé ses préparatifs et a besoin de votre aide. Si cela peut vous être utile, je veux que vous expliquiez, que vous vous impliquiez. Rendez-vous au creux de l'exil pour écouter la requête. Ok. Alors, normalement, ça c'est une simple quête. On n'est plus dans le. Je crains que des heures sombres nous attendent. Donc on y retourne. Hein. On fait des allers-retours. Vous croyez vraiment que c'est possible? Cet endroit incarne tous les possibles. Que cherchez-vous? Les merveilles des fondateurs seront révélées. Alors, ça, c'est pas cool d'avoir mis cette quête-là en mode. Ouais, c'est pas si important que ça, parce qu'en fait, ben, ça débloque la suite de la campagne. Projet de restauration. Sans arbitre, l'ombre terre perd tout son sens. Les âmes se déversent sans but dans l'antre. Comme nous l'a fait remarquer Zaezura, en temps normal, Zeres Mortis aurait créé un nouvel être destiné à endosser le rôle d'arbitre. Je soupçonne les troubles du geôlier d'avoir perturbé la région au point qu'elle n'en est plus capable. Il est grand temps de passer à l'action et de rétablir l'ordre. Allez parler à Zaezura et décider par où nous devons commencer. Un nouvel arbitre. Dire que je vais assister à un tel événement. La symphonie de la création exige un cœur à l'unisson. Nous avons l'un, mais pas l'autre. Le réceptacle cherche une âme. Elle sommeille dans les cryptes de l'Éternel. Une fois les deux réunis, l'arbitre chantera à nouveau. Les cryptes de l'Éternel ? Ça grouille d'entreliges là-bas. Comment allons-nous leur échapper ? Nous ne sommes pas seuls. Les congrégations accepteront sûrement d'aider à créer un nouvel arbitre. Ok. Je sers le bastion, mais aussi toute l'ombre terre. Si nous voulons percer les lignes entreliges, nous allons avoir besoin de l'aide de toutes les congrégations. Je me charge de prévenir les Kyrian, Pelagos, et vous pouvez en parler aux autres. Avant de partir, demandez à Firm s'il pense pouvoir convaincre les éclairés. Allez aux représentants des éclairés. Les Ventir, les Nécro-Seigneurs et Faoui Nocturne.
Je vais rallier les Kyrians. Allez trouver les autres congrégations avec Pelagos. Et voyez si Firim peut convaincre les éclairés de nous venir en aide. Je suis si proche de comprendre. Oh, je doute que mes compatriotes du refuge osent s'aventurer en terrain aussi sacré. Mais, qu'à cela ne tienne, j'ai une idée. Comme toujours. Kabato, nous avons besoin de toi. Kabato ? Essayez donc de le réveiller, Kuosa. Ravi de te revoir, Kabato. Rejoins-nous près des cryptes de l'Éternel. Les entre-liges n'ont qu'à bien se tenir. Oh putain, il a l'air déter, ce machin-là. Nouvel arbitre. Une chance de rendre son équilibre à l'ombre terre. Ne serait-ce pas le plus grand acte de service qui soit ? Bon, ok. Troupe des Ventirs. Ah, bah faut. Ok, pas de soucis. On n'aura même pas quitté Zeres Mortis apparemment. Moi je m'attendais à ce qu'on on doive aller dans chaque région. En fait même pas. Avez-vous des antiquités à céder ? Je collectionne des objets de plus de 2 siècles. Des objets exotiques, apportez-les-moi. Salutations, cher monsieur ou madame. Attendez, quoi? Attendez, j'ai pas vu, attendez. J'espère que vous aurez mieux à raconter la prochaine fois. Ah non, c'est pour les sertir. D'accord, ok, ouais, c'est pas le sertissage. J'avais bien vu qu'il fallait faire mâche clic droit, mais... J'ai pas compris pourquoi. Les jardins sont envahis au point que plus rien ne peut y pousser. Chacun trouvera le royaume éternel qu'elle mérite. Les broussailles. Ok. C'est un réel plaisir de vous voir. Soignez votre posture. Ravendress se tient à vos côtés, sans entrave. Au combat ! Espérons que votre plan fonctionne. Ravendress a besoin d'anima. Et pour ça, il nous faut des âmes méritant la rédemption. Mais, si vous voulez mon avis... Toutes les âmes méritent la rédemption. Là, je l'ai vu. Thank you.
aussi. Être plus haut, je reverrai pas l'atteinte. Bon, je veux pas tous les avoir hein. Quand j'en vois un qui est chopable, je le chope, mais sinon mais vas-y, t'as pas 3000, je te dis rien. Non mais oh. Je te jure. Le machin, il t'a pas 3000 de dégâts. Non mais sérieux ? Ils arrivent à me déglinguer mon marcheur quoi. Envoyez-moi. À l'aide ? Vous avez besoin d'un ours. La puissance de Sylvarden est à votre service sans entrave. Nous avons toujours veillé sur le grand cycle. J'espère que ce nouvel arbitre en fera autant. Veiller sur le grand cycle. Plus que les seules âmes, les décisions de l'arbitre affectent toute l'ombre terre. Aldraxus vous honore. Soldats, vous avez entendu? Nous partons pour les sables infinis. Voyons si ce nouvel arbitre est à la hauteur de la tâche qu'il attend. Ah non, j'allais dire. On va y aller à pince. Mais Vix a raison. L'arbitre doit avoir la force et la volonté de prendre les décisions qui s'imposent. Toutes ces quêtes. Bon, ouais, vas-y. Mes lames sont à votre service. Alors, sans entrave, mes éclaireurs m'ont rapporté que les entreliges ont pris le contrôle
de deux automas oracles pour s'en servir au combat. Ces oracles risquent de prédire notre stratégie et notre objectif si on leur laisse l'occasion. Nous devons les éliminer avant d'entrer dans les cryptes. Sans eux, les troupes entre Lige ne seront pas que nous, ce que nous avons prévu. Prenez Emery avec vous à la soif de combat. Mais c'est complètement con. Enfin, je veux dire, les oracles vont prédire notre stratégie. Si notre stratégie, c'est d'abattre les oracles, forcément, ils vont augmenter la défense des oracles. Enfin, ne trahissez aucune faiblesse. Méliez-vous, occupez-vous des oracles pendant que nous préparons l'assaut. Sommes-nous dignes d'un tel savoir? Bien que les géants inertes jonchent les sables mortels, je pense qu'il est possible de les revitaliser. Nous pouvons nous servir des petits automas qui se cachent dans le désert. Prenez mon stimulateur pour les rallier à notre cause. Si nous en rassemblons suffisamment, nous aurons assez d'énergie pour alimenter les behemoths vaincus et renforcer nos rangs. Amenez-moi le plus possible et nous les mettrons au travail. Envoyer 6 automas motivés à Firm. Les recherches ne sont jamais. Les harmonies convergent entre nous. Le chant est incomplet. Nous avons besoin d'harmonie. Cherchez ceux qui voient. Envoyez-les au service du cycle. Les entreliges détiennent les clés qui les lient. Emparez-vous des clés et libérez-les. Libérez 6 automas clairvoyants. Vous briserez. Le silence. Apportez-moi les noyaux d'automa. Je les utiliserai pour alimenter ces behemoths. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça doit être laissé par un joueur. Ok. Bon, on verra bien. Du coup, ça, c'est quoi? Les automates clairvoyants à secourir. Ok. Donc, je dois récupérer des clés de toute façon sur les entreliges. Mais ça, à la limite, j'ai envie de le faire à la fin. L'esprit vigilant. Toujours voir l'invisible. Ok. Ok, j'ai 5 minutes pour les ramener. Ah, mais ils combattent en plus! Ah, mais s'ils combattent en plus, ça change la donne. Je dois d'abord choisir une cible.
Vas-y, en vrai, je lui rame les C6. Oh, il y a un truc là-bas, visiblement. Je vais le chercher après. Excellent. Ce plan a toutes les chances de marcher. Les splendeurs de Zeres Mortis se sont immorales. Ok. Ok, nickel. Non mais sérieux. Ah, j'ai une clé. Putain de sa mère. Ah, ça y est. Succomber à la dissonance. Mais oui, 4000 de dégâts. 7000 de dégâts, qui dit plus? Qui dit mieux? 7000 de dégâts. Nictar. J'ai pris 7000 de dégâts à un moment. Oracle déstabilisé, touche... Vous, 7500 de dégâts. Au bout d'un moment. Succomber à la dissonance.
Mais qu'est-ce qu'il me fait, lui? C'est pas possible. Tout seul, c'est pas possible. Tout seul, c'est impossible. Oh, j'ai pris 2 x 12 000 de dégâts. J'ai pris 2 fois. J'ai pris 24 000 de dégâts. En 2 coups. Sans déconner, l'oracle, elle m'a attaqué 3 fois au total. Elle m'a infligé les 3/4 de mes points de vie. Et le frappeur entre lits, je s'est occupé du reste. C'est... bordel. C'est pas possible tout seul. Je pense que ce n'est pas possible tout seul. Il va me falloir de l'aide. Je dois mettre juste en pause de 1 minute, je me déconnecte, et je reviens dans 1 minute. Bon, voilà, je suis de retour. L'œil aux aguets, l'esprit vigilant, toujours voir l'invisible. Bon, on va essayer de se faire lui là déjà. Merde, putain, j'ai oublié le... Ah non, j'ai pas de nom. Ok, on marche rapidement. Ok, j'ai une autre clé. Ce que je vais faire tout de suite, c'est pierre d'âme, pierre de soin. Je me mets comme ça. Ah tiens, puis le coffre est déjà revenu. Et c'est parti. Ouais, alors ça par contre c'est dangereux parce que je veux pas que l'autre entre au lit, là il débarque. Mais surtout je surveille, c'est la vie de mon... Il va falloir que je reste en mouvement. Non, putain, pierre d'âme, tout de suite. Succomber à la dissonance. Non! Putain de ta mère! Oh, c'est pas possible! Il me faut de l'aide. On va faire l'autre quête. On va faire l'autre quête en attendant. Oui, de toute façon, je dois. Oh, c'est frustrant! Je vous jure, c'est frustrant! Putain, il y a un moment, je me suis pris 13 000 de dégâts. Et après avoir ressuscité, j'ai pris 9 000 d'entrée de jeu. C'est pas possible. Renvoyez-moi. Bon.
Alors, les automas à libérer. J'ai deux clés là déjà. Ah oui, c'est vrai, putain, c'est vrai, il y a les, cette histoire de clé érodée là. Par contre, je vois pas les automas qui sont kidnappés. Parce que je vois les ennemis à tuer. Mais j'aimerais libérer les automates. C'est de couvrir un peu de terre. Là. Chaînes et entraves, les clairvoyants seront des proies de choix. Notre démoniste est en spé destruction. Je veux faire taire vos voix. Je ne peux pas emporter plus. Ah. Putain, le con.
Ah bah là j'ai pas de clé. C'est vrai que j'avais que deux clés. Tenter ça, hein. Putain, y'en avait pas un qui avait une clé, quoi. Oh, tiens. Regardez, c'est intéressant, ça. J'allais dire, j'ai plus de copains là. Je ne peux pas emporter tout. C'est bon.
Il me reste plus qu'une cage à ouvrir. Il reste plus que les deux oracles, mais ça, j'ai besoin d'aide. Ça, j'ai besoin d'aide. Je pense que je vais appeler Zari à la rescousse. Ou je vais lancer un appel sur le canal.